Venturi, une ligne ou clé de turbo, la ligne complète, enfin 1000 tech à l'avant et APR à l'arrière, tâche de plus. Et combien de sort? 402 chevaux et 531 Nm. EVR. Ouais, ouais, et Venturi, c'est. Waouh! Ça fait un son incroyable, c'est évidemment du vrai carbone. Là, on a la durite forge qui est ici. Le petit 400 plus pour se faire un petit plaisir. C'est insolent. On est quoi sur quoi comme budget là ici? Il savait qu'il allait pas récupérer la somme de la prépa, donc il y a, oui, il y a à peu près 7 ou 8 cas de prépa. Ouais. Et puis bah, moi je l'ai acheté 22. C'est très bien. L'intérieur est parfait. Et en plus, c'est bien comme voiture. Moi j'aime bien. Il y a de l'atlas à l'arrière évidemment. Quoi ça sent bon? Qu'est-ce que t'as foutu dedans? Alors là, on... Ah bah bien sûr. Voilà. Ah, le sang bon de la p***. Moi, tout ça m'a saoulé, ça me tape le crâne maintenant. Celui-là, il est pas trop fort encore. Non, celui-là, sans la p***. C'est que pour ça qu'on aime. Après, ce qui est dangereux, c'est qu'elle met vite en confiance cette voiture. Mais oui, le fait d'être en deux roues peut vite rappeler à l'ordre. Une petite dame, incroyable. Pas trop fort. Ouais, un petit popcorn sympa, ouais. Je vais baisser la vitre. Elle marche bien. Putain, elle freine bien. Ah, c'est bon, tu m'as fait valser tout ce que j'avais à. Cette scène, journée, j'étais calme, j'étais là, c'est limite un peu aigri, mmh, tu vois. Je me disais, tu vois, j'ai roulé, tout ça m'emmerde, j'ai envie d'une Chiron cab, tu vois, ce genre de pensée un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. Et puis toi, t'es là, tu m'as élevé la journée, merci à toi. Là, tu peux rouler dessus. J'ai quand même des voisins, frérot, on va quand même les respecter. Bon, bah, c'était incroyable, hein. Ah, bah, franchement, ouais, là j'en ai eu pour mes yeux.